Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le groupe 2R en la présence de vos agences, notamment RG2I et Oracom. Ce qu'on va faire, il est 10h pile pour pas prendre trop de retard. On va commencer d'ici une ou deux minutes. On va juste laisser le temps, je dirais, et on va laisser le temps aux personnes qui étaient inscrites et qui ne sont pas encore présentes de se connecter. Il y en a quelques-unes là qui sont encore en train de se connecter. Donc on va attendre 2 petites minutes avant de commencer. Vous allez avoir, ce que j'entends du coup des personnes qui utilisent le chat, vous allez avoir sur le droit de votre fenêtre du coup un onglet chat, c'est pour parler. Donc c'est un chat commun à tout le monde. Et après, vous avez un autre onglet qui est plutôt question. Sur lequel, voilà, essayez de mettre les questions dans l'onglet questions et le reste, je dirais, sur l'onglet chat. Du coup, sur le déroulé, le temps d'attendre les dernières personnes, les retardataires, sur le déroulé, donc on va vous présenter, on va essayer de tenir les 45 minutes. Donc on va faire une présentation, après on fera une petite démonstration technique et après on se laissera pour les personnes qui ont encore le temps, après 45 minutes, on se laissera, je dirais, 10-15 minutes. Pour les personnes qui le souhaitent, qui ont des questions supplémentaires, pour faire un échange assez libre sur des questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions bien précises, voilà, on sera disponible, je dirais, pendant un petit moment après la présentation et la démo pour répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. On va pas tarder, une dernière petite minute et on commence. Et puis les retardataires prendront le train en marche. Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous pour les derniers qui viennent d'arriver. Bienvenue sur ce nouveau webinaire qu'on a décidé de dédier à la solution Watsense, donc une nouvelle solution qu'on vous propose aujourd'hui et notamment qu'on va vous présenter de manière assez détaillée, assez exhaustive, avec un peu de pédagogie et aussi un peu de technique pour découvrir l'ensemble de la solution. Du coup, on sera 2 personnes. Donc pour ma part, donc Olivier Bénas, donc je vais représenter le groupe 2R. Donc je vais parler au nom des 2 agences, donc RG2I et l'agence Oricom, pour ceux qui viennent du côté de l'Ouest. Donc du coup, moi je suis basé à Saint-Étienne sur l'agence RG2I et je suis responsable IoT commercial chez RG2I. Bonjour à tous. Je suis Romain Philippon, responsable commercial de Watsense et je m'occupe de la commercialisation de nos solutions en France et à l'étranger, ainsi que de l'animation de nos réseaux de distribution. Merci Romain. Donc du coup, vous l'avez compris, on sera 2 à animer ce webinaire et du coup, il y aura moi pour la partie distribution et Romain pour la partie fabricant. Donc c'est assez intéressant d'avoir sa présence parce qu'il va nous présenter des choses du côté de son œil fabricant. Une rapide présentation sur le groupe 2R et notamment les 2 agences RG2I et Oricom. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou une piqûre de rappel pour ceux qui nous connaissent déjà. Donc notre métier, c'est de fournir des solutions de communication industrielle, donc uniquement des solutions standards, ouvertes et évolutives, donc c'est-à-dire faut comprendre non propriétaires, qui vont être uniquement dédiées et spécialisées, parce qu'on l'est depuis plus de 20 ans, dans la communication industrielle et notamment sur 3 familles de produits et de solutions, que sont l'acquisition de données en filaire et en sans fil. L'étape d'après, c'est de fournir des solutions pour transporter la donnée, en local ou à distance. Et la troisième brique qui vient clôturer toute cette chaîne de valeur-là, c'est l'analyse de données. Donc cette donnée qu'on a acquise et qu'on a transportée, l'idée c'est de l'analyser avec des solutions soit on-premise locales, soit des solutions cloud. Une autre partie de notre métier, donc c'est d'accompagner nos clients dans la recherche de solutions, dans le conseil
Et dans la proposition de, je dirais, d'architecture qui sont souvent custom, qui sont des fois des moutons à cinq pattes par rapport à des problématiques de communication industrielle que vous allez nous remonter. Donc par rapport à ça, on est force de proposition, on va vous trouver des solutions, on va créer des mécanos en imbriquant différentes solutions entre elles pour, bah, je dirais, mener à bien et répondre à vos problématiques de com. Et du coup, bah, on se limite pas uniquement à la fourniture, on fournit également du service comme de la formation, de l'assistance technique, téléphonique, du support. Le scope très rapide pour illustrer ce que je viens de dire. On part du bleu en haut à droite pour faire l'acquisition filaire ou radio de vos points de mesure et d'instrumentation. Et on parcourt, on va dire, toute l'industrie, tout le bâtiment avec des solutions de passerelle, de réseau, de data logger, de solutions VPN et d'analyse de données. Donc voici pour la présentation RG2I Vrai.com et je laisse la main à Romain pour la partie WhatSense. Merci Olivier. Donc, quelques mots sur WhatSense. Nous sommes une société technologique française fondée en 2017 par Louis Vermorel. Nous proposons une infrastructure informatique permettant de communiquer avec des équipements d'un bâtiment afin d'en améliorer la gestion. Et par bâtiment, nous voulons dire tout type de bâtiment du tertiaire, du résidentiel et industriel. Notre mission est de rendre les bâtiments plus connectés afin que d'autres puissent les faire fonctionner de manière plus efficiente. Quelques mots sur nos clients. Des entreprises de toute taille, cela va des startups aux sociétés cotées en bourse, utilisent aujourd'hui nos solutions de connectivité pour déployer leurs applications, que ce soit pour améliorer l'efficacité énergétique, pour optimiser la maintenance ou pour proposer une supervision. Nous avons une soixantaine de clients qui nous font confiance, répartis dans 21 pays, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, Moyen-Orient et en Asie. Bien, donc je vous propose de prendre quelques instants et pour répondre ensemble à trois questions. Quels sont les événements qui vont impacter la gestion des bâtiments à court terme? En quoi l'approche traditionnelle de la GTB ne permet pas aujourd'hui d'y faire face? Et dans ce contexte, comment nous, WhatSense, nous nous positionnons pour vous aider à aborder le sujet de manière différente? Tout d'abord, les deux décrets qui viennent de mise en place, donc les décrets tertiaires et les BACS, ont un très gros impact. Comme vous le savez probablement, le texte législatif du décret tertiaire définit des objectifs ambitieux de réduction de consommation d'énergie. En prenant la consommation énergétique d'une année de référence, 2010 ou ultérieure, le but est de réduire les consommations de 40% d'ici 2030 et jusqu'à 60% d'ici 2050. Ensuite, le décret BACS est un nouveau décret qui impose l'installation des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments dans certains immeubles d'ici à janvier 2025. Cette directive européenne complète l'arsenal législatif en matière de réduction de consommation énergétique du secteur tertiaire français. Donc, les bâtiments de taille intermédiaire, qui constituent aujourd'hui l'ensemble du parc tertiaire, vont être au cœur de toutes les attentions. Et tous les acteurs du bâtiment vont devoir se préparer et anticiper les changements à venir. A priori, on peut se dire que ce n'est pas très compliqué. Si on s'est connecté à un bâtiment de 30 ou 40 000 mètres carrés, on doit être capable de le faire pour un bâtiment de 3 000 mètres carrés. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, car il y a plusieurs obstacles. Tout d'abord, il va falloir, dans le but de ce décret, il va falloir équiper des millions de bâtiments en l'espace de quelques mois. L'approche traditionnelle consiste à confier cette tâche à des intégrateurs automaticiens. Or, la main-d'œuvre est déjà manquante, ce qui rend tout déploiement de la GTB à grande échelle quasiment impossible. Deuxième point, la complexité des outils actuels suppose un niveau de qualification très important de la part des exploitants. La multiplication des protocoles de communication ainsi que l'utilisation exponentielle de capteurs sans fil rend complexe l'intégration de nouveaux équipements dans une GTB traditionnelle. Enfin, les pratiques classiques qui consistent à verrouiller les systèmes ne vont plus pouvoir durer très longtemps. Le sens de l'histoire, ici comme ailleurs, c'est de proposer des systèmes ouverts.
à l'intérêt du client final, en l'occurrence, l'exploitant. Dans ce contexte, où nous, WhatSense, nous sommes partis d'une feuille blanche en nous posant deux questions simples. Comment déverrouiller ce marché et comment créer de la valeur? Concrètement, nous apportons une couche d'infrastructure qui permet de piloter et de faire le lien entre les équipements terrain et les applicatifs GTB, tout en utilisant des technologies de dernière génération. L'approche retenue a pour but de répondre aux trois enjeux évoqués dans la slide précédente. Tout d'abord, le déploiement de nos solutions se fait selon un mode plug and play, c'est-à-dire que l'installation de notre passerelle que l'on propose, qui est en photo à gauche là, se fait par un électricien, et la connexion des équipements est très simple. Ensuite, les outils qui vont être utilisés sont très intuitifs. Ils sont très simples donc à utiliser et les mises à jour software sont automatiques. On verra ça juste après dans la démonstration que va faire Olivier. Et enfin, le système est ouvert et agnostique. C'est-à-dire qu'on peut très facilement intégrer et installer nos solutions dans votre plateforme et les équipements sont connectés donc très facilement. On peut installer ces applicatifs, on peut même en désactiver si besoin, tout est fait selon vos besoins. En résultat, la solution WhatSense va permettre de démocratiser rapidement et à grande échelle la connexion et la gestion des bâtiments. Merci Romain pour cette partie, pour cette présentation-là. Donc du coup, moi je vais reprendre le relais pour vous montrer, pour venir détailler un petit peu ce que Romain vient de vous présenter, notamment sur l'offre technique, notamment l'offre hardware et software. Et l'idée, c'est de vous la détailler pour que vous puissiez identifier comment elle peut vous servir, comment vous pouvez la déployer sur vos applications tertiaires ou industrielles. Donc, mon objectif, ça va être de vous montrer comment la connectivité grâce à WhatSense devient un jeu d'enfant pour, comme vient de le dire Romain, pouvoir dès demain, parce que le cadre législatif a fait en sorte que on est passé de quelques bâtiments à connecter sur des early adopters, des gens qui voulaient connecter les nouveaux bâtiments, à un cadre législatif contraignant qui va faire que avec les mêmes sociétés d'intégration et d'exploitation, il va falloir gérer 10 fois, 100 fois plus de bâtiments qu'aujourd'hui. Donc, l'idée et d'aller vers des solutions un petit peu plus plug and play à ce niveau-là. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, notamment sur l'offre hardware de chez WhatSense, il va y avoir deux concepts, donc on va détailler les deux concepts. Donc le concept 1 pour commencer, c'est celui qu'on va appeler la box. La box, comment il s'intègre dans les architectures, dans les bâtiments et les industries, il va venir en fait s'intégrer au milieu d'un côté des bâtiments, donc la partie active bâtiment-industrie, et de l'autre côté les applications métiers, verticales ou mutualisées, peu importe, qu'on va pouvoir appeler GTB, liées à de l'efficacité énergétique, de la maintenance, du confort ou autre. Donc à ce niveau-là, entre ces deux parties-là, du coup, va venir s'intégrer une solution hardware qui est une box WhatSense que vous avez sous les yeux, et également un service cloud qu'on va appeler la console WhatSense. Et les deux ensemble vont permettre d'offrir une solution à valeur ajoutée pour permettre de simplifier la connectivité des bâtiments avec les applications de GTB à côté. Donc on va voir ça en détail. Sur la première partie, la partie hardware, du coup, on va parler de connecteurs universels, notamment parce que j'ai une box ici à vous montrer, tant qu'à faire, on est dans le concret. Donc l'idée, en fait, pourquoi connecteur universel? C'est parce qu'en fait, on va avoir sur le même produit, sur une seule référence produit, l'ensemble des connectivités de port Ethernet, de port USB, un port KNX, deux ports RS485 ou RS232, un port MBUS. Voilà, on va avoir de la multi-connectivité à ce niveau-là qui vont vous permettre de gérer du multi-protocole, donc de vous affranchir des problématiques d'interface physique, de protocoles divers et variés, anciens ou récents. Le LoRaWAN, pardon, que j'ai oublié, qui est également présent nativement sur la box. Donc, ça en fait une box universelle, multi-protocole, qui va vous permettre, quand vous allez retrouver des équipements sur le terrain, MBUS, quand vous allez retrouver des équipements RS485, LoneWorks, des régulateurs RVL Siemens avec un protocole propriétaire qui s'appelle le LPB,
du LoRaWAN, parce qu'il faut déployer du LoRaWAN, vous aurez toujours la même solution. Donc ça va vous permettre en fait d'avoir une solution, on le verra juste après avec la démo, une solution avec des installations plug and play qui vont vous permettre dans les faits deux choses, d'avoir une communication qui est bidirectionnelle, qui va vous permettre de récupérer de la donnée, donc d'aller collecter la donnée pour la mettre à disposition, et également d'envoyer des commandes, des consignes, des setpoints directement au travers de la box vers les équipements de typiquement de régulation ou de process sur le terrain. Et la troisième chose, c'est que vous allez pouvoir connecter cette box à Internet, soit au service cloud de Watsense, soit à des applications tierces pour pouvoir manager tout ça, je dirais, à distance, grâce à un modem 4G qui est embarqué dans la box. La deuxième chose qui est importante dans l'offre de service de Watsense, c'est ce qui fait aujourd'hui sa grande différence avec les autres solutions qui existent sur le marché. Donc, on est bien placé pour en parler parce qu'on a d'autres solutions différentes, mais qui sont complètement un peu plus fermées et traditionnelles, on va dire. L'intérêt de la solution, c'est une grande compatibilité qui est évolutive. Donc là, ici, vous avez un lien sur le site Internet et en fait, qui vous permet de vérifier la compatibilité des équipements que vous retrouvez sur le terrain avec la solution Box. Quand on parle de compatibilité, l'offre à valeur ajoutée de Watsense, en fait, c'est quoi? C'est pas simplement, on a testé, ça marche. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va être de vous offrir une solution sur étagère, une sorte de communauté, une sorte de bibliothèque qui va faire que quand vous allez déployer des équipements filaires comme des centrales de traitement d'air, des VMC, des pompes à chaleur atlantiques, des compteurs électriques, énergétiques type Schneider ou Socomec, d'Iris ou autres, des compteurs d'Il, Sharky, bref, un écosystème assez large que vous allez pouvoir retrouver dans le bâtiment ou l'industrie. L'intérêt en fait de ça, c'est que vous allez pouvoir, avec cet outil de compatibilité, faire en sorte de vous assurer que la solution Watsense, elle est décodée avec ces fabricants-là et avec les références des équipements sur le terrain de ces fabricants-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une bibliothèque qui fait que quand vous allez ajouter une pompe à chaleur atlantique, il va y avoir tout un tas de références qui vont faire en sorte qu'on va vous offrir dans la box la table d'échange Modbus, BACnet, KNX, MBUS et compagnie, qui va faire en sorte que vous n'allez plus qu'à avoir à vous soucier d'un cocher-décocher pour connecter cet équipement terrain en filaire avec la box Watsense. Ça, c'est vrai pour les connectivités physiques, filaires. Et c'est aussi vrai, vu qu'on fait du LoRaWAN dans la solution Watsense, dans la box Watsense, cet écosystème et cette compatibilité-là, elle est aussi vraie avec l'écosystème LoRaWAN et IoT. Donc, vous avez tous les fabricants qui sont listés ici, qui aujourd'hui sont compatibles avec la solution Watsense. C'est-à-dire que demain, si vous voulez déployer de l'IoT sur une fonction de passerelle LoRaWAN, si vous déployez du mClimate, si vous déployez de l'Anonis, du Atim, du L6, du NKE, ce que vous voulez, l'intérêt, c'est que Watsense a directement intégré les payloads, donc c'est-à-dire les décodeurs de tram LoRaWAN de tous ces fabricants-là avec leurs capteurs, directement dans le produit. Donc on va le voir sur la démo d'après. C'est du la configuration, on n'est plus sur de la programmation, on est sur une technologie no code, donc plus une ligne de code pour déployer ce genre d'infrastructure-là. Ça va être ni plus ni moins que du cocher-décocher. Donc pour ceux qui connaissent le LoRaWAN, c'est hyper puissant et c'est hyper convivial parce que vous n'avez pas besoin de gérer ce qu'on appelle le détramage des payloads en hexadécimal. Donc, c'est un peu technique, mais chaque fabricant en LoRaWAN vient encoder ces trames radio en hexadécimal. C'est un encodage qui est propre à chaque fabricant. L'intérêt, c'est que le détramage de ces payloads-là a été fait par Watsense, a été intégré en dur dans les solutions Watsense et c'est ce qui vous permet d'ailleurs d'aller choisir une référence et de la décoder en trois clics. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une compatibilité qui est évolutive, parce que forcément, il y a des nouvelles solutions à connecter, il y a des nouveaux acteurs sur le terrain, notamment avec les solutions LoRaWAN qui arrivent aujourd'hui dans ces écosystèmes-là. Si demain, il faut se dire, c'est que si demain, cette liste, elle est non exhaustive. Donc, si demain, vous avez des solutions qui font pas partie de cet outil de compatibilité et que vous avez besoin de connecter à la solution Watsense, on le dit au fabricant et le fabricant rajoute gratuitement, je dirais, les tables d'échange, les payloads des nouveaux capteurs LoRaWAN directement dans la communauté Watsense, ce qui va faire que tout le monde derrière va pouvoir décoder très simplement en trois clics les nouveaux capteurs que vous avez découverts et que vous avez besoin de déployer sur le terrain. Donc ça, c'était pour la partie hardware. Pour la partie, on va dire, plus service, donc il y a un service cloud qui, comme je le disais, s'appelle la console, qui vient s'accompagner à la box hardware. Donc cette console, en fait, c'est une console de gestion. Donc on a un aperçu un petit peu à gauche sur l'écran. Donc c'est une console de gestion qui va vous permettre plusieurs choses. La première chose, elle va vous permettre de centraliser, de gérer l'ensemble d'une flotte
de box déployé sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme on le voit, et je vous montrerai aussi tout à l'heure en réel, géolocaliser vos différentes box sur le terrain et pouvoir du coup vous connecter à l'une d'entre elles. En fait, les box sont connectées en temps réel en 4G avec la plateforme, la console Wetsense, et du coup, vous allez pouvoir interagir avec les box à distance pour visualiser ce qui se passe ou déployer à distance. La fonctionnalité de ce service cloud, c'est aussi d'automatiser la récolte des données. Donc, c'est-à-dire que toutes les box qui sont connectées au service cloud vont aller pousser des données. Le cloud va avoir cette vocation d'historisation, je dirais, de données. Et va vous permettre également, si vous le voulez, déployer ce genre d'application-là, de piloter les équipements. Donc, depuis le cloud, on a la possibilité d'envoyer des consignes, d'envoyer du contrôle commande, de l'asservissement directement sur la box, sur le terrain. Une interface graphique qui est assez intuitive, qui va vous permettre aussi de visualiser de la donnée. Pardon. Donc, notamment avec des graphiques qui vont vous permettre de visualiser d'un point de vue historique les données en temps réel ou les données du passé. Ce qu'il faut savoir, c'est assez important, c'est que le service cloud est possible grâce à une communication 4G, donc à un modem 4G qui est d'une embarqué dans la box, mais aussi grâce à une carte SIM multi-opérateur qui est fournie à l'achat de la box et qui inclut le forfait data. Donc le forfait data est intégré avec la carte SIM physiquement dans la box et permet de faire le lien en temps réel avec la box, les box et le service cloud. Et du coup, vous avez dans ce service cloud également la connectivité GSM, M2M, 4G, multi-opérateur qui vous permet de vous affranchir de ces problématiques-là de couverture avec un opérateur X ou Y sur le terrain. Donc ça, c'est pour le service cloud. Un wizard sur cette interface cloud qui est assez convivial, qui propose deux principales caractéristiques, c'est d'avoir une simplicité de configuration pour pouvoir à distance déployer, je dirais, vos applications sans forcément aller à chaque fois sur le terrain. Et la possibilité, comme je le disais, de configurer tout ça à distance, de configurer l'équipement sans se déplacer, sans prendre un PC en allant sur le terrain et de se connecter physiquement à l'équipement un par un. L'intérêt, c'est que vous pouvez déployer en masse ce genre de solution grâce à la console cloud Wetsense. Qui dit solution de connectivité, modem 4G, solution connectée à Internet, service cloud, dit forcément sécurité, je dirais aujourd'hui, sur ce type de service et de plateforme. Donc l'intérêt en fait de la solution Wetsense, c'est qu'elle va permettre de sécuriser un petit peu la connectivité de vos bâtiments, principalement grâce à un chiffrement de bout en bout entre les box sur le terrain et votre plateforme centrale qui est la console Wetsense. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir de l'authentification sur tous les maillons de la chaîne, sur le côté plateforme, mais aussi sur le côté box. Vous allez avoir la possibilité, et la plateforme va vous offrir des mises à jour sécurisées, d'un point de vue du coup logiciel, interface applicative au niveau du cloud, mais également logiciel firmware d'un point de vue hardware. Donc l'intérêt, c'est quand il y a des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités ou autres, et bien l'intérêt c'est que les mises à jour peuvent être faites comme ça de manière transparente à distance sans forcément aller sur le terrain encore une fois avec sa voiture et son PC sous le bras pour le faire. Donc ça permet de maintenir un parc d'équipements à jour qui est fonctionnel tout en réduisant les temps de déplacement et de coûts de maintenance. Et l'intérêt, pour finir sur la sécurité, c'est qu'il y a un isolement du stockage de vos données, c'est-à-dire à chaque environnement, à chaque contrat client, à chaque fois que vous souscrivez, je dirais, à cette offre-là, il y a un isolement de vos données par rapport à d'autres clients Wetsense, histoire d'avoir vraiment une base de données qui est unique et qui est individuelle par rapport à votre application et à votre client. Un autre aspect et une autre application qui est mise en avant un petit peu par Wetsense avec cette offre Box plus Console Cloud, c'est ce qu'on peut appeler la GTB as a Service. As a Service parce que forcément on est sur une solution connectée au cloud, et GTB c'est parce qu'en fait on va pouvoir apporter notamment sur des petits bâtiments où on n'a pas forcément besoin de GTB en local, où il n'y a pas forcément, pardon, historiquement des GTB en local, mais comme l'a dit Romain, le cadre légal va faire en sorte que tous les bâtiments vont devoir avoir des outils de GTB. L'intérêt en fait, c'est d'avoir la capacité sur cette offre-là d'avoir une GTB dans le cloud. C'est pour ça qu'on parle de GTB as a Service. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que de l'application. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui, c'est assez
C'est assez répandu, pardon, comme terme, c'est la partie Edge Computing. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, dans votre console Watsense, donc dans l'applicatif cloud, vous allez pouvoir, en fait, venir charger un programme, donc directement votre programme, le développer directement depuis la console et derrière, grâce à la console, aller l'injecter à distance sur la box pour faire en sorte que la box, elle puisse gérer du contrôle commande, de l'événementiel, de l'asservissement ou ce type de fonctionnalité-là. L'intérêt, c'est que ça va être complètement indépendant vis-à-vis des communications externes. On va être sur l'interface en termes de déploiement et de programmation de votre application et que vous allez injecter directement en 4G sur la box. Pas besoin de passer par une patte externe en local, encore une fois, pour embarquer ça. Donc, on va vraiment être sur une notion de petite GTB, de mini GTB connectée à Internet que vous pouvez maintenir à distance, que vous pouvez déployer à distance au fur et à mesure que vos clients vous soumettent des applications de ce type-là. Watson, c'est assez conscient que son offre cloud, sa solution cloud, ne se suffit pas à elle-même parce que y a un historique qui fait qu'il y a des applications tierces qui sont soit verticalisées sur certains cas d'usage, comme de l'efficacité énergétique, de la maintenance, du confort, du bailleur ou ce qu'on veut, et puis parce qu'il y a des habitudes de travail ou ce genre de choses. Donc, l'idée à ce niveau-là, c'est d'être assuré sur le fait que la solution Cloud Watsense, la console Watsense a des outils de connectivité qui sont aujourd'hui modernes, avec notamment une API RESTful, donc qui est autant GET qu'en POST, qui va vous permettre en fait en quelques minutes, via une API REST documentée et fournie par le fabricant Watsense, de pouvoir interconnecter ce fameux Cloud Watsense avec votre application métier derrière. Et votre application métier en fait viendra profiter du cloud et de l'API Watsense pour l'interconnexion avec toutes les box, la géolocalisation de toutes les box, les mises à jour logicielles sécurisées automatiques, le déploiement du programme à distance et notamment pour récupérer encore une fois les données au travers du cloud Watsense, mais aussi pouvoir contrôler et piloter les équipements au travers de cette API-là. Configurer des alarmes, configurer des box à distance, voilà, vous pourrez tout faire grâce à cette API-là. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez conservez vos outils que vous avez derrière historiquement et avec lesquels vous êtes formé, vous avez l'habitude de travailler, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà pour le premier concept qu'on a appelé la box, donc hardware plus console cloud. Là, on va passer sur le concept numéro 2, on le verra fin du deuxième concept, on fera un comparatif pour essayer d'identifier et de comparer les deux solutions entre elles. Sur la version web, on part du même point, les bâtiments et les industries, qu'on a besoin, comme on l'a vu, le cadre légal fait qu'on a besoin de les connecter, de les rendre intelligents. Aujourd'hui, à ce niveau-là, sur la partie web, l'offre, elle est assez simple. Elle se limite, pardon, uniquement à la hub, ce qu'on avait appelé la hub, donc c'est une passerelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même produit à l'intérieur que la box, c'est juste l'offre commerciale qui est différente. Et la vocation principale, ça va être mes données sur lesquelles je suis interconnecté en filaire ou en radio, parce que c'est important, j'en ai pas parlé, mais on peut faire les deux en simultané. On peut faire du simultané sur du multiprotocole filaire, mais aussi du simultané sur du filaire et du LoRaWAN en radio. Et la fonctionnalité et le positionnement de ce hub, ça va être de pousser les données, de les mettre à disposition en local dans un autre protocole pour notamment convertir tout ça en BACnet IP pour avoir du coup des sources de données qui sont hétérogènes, des connectivités, hein, des interfaces physiques qui sont hétérogènes et de renvoyer ça vers un tuyau unique qui est de l'IP, qui est moderne, qui est du BACnet IP pour alimenter un process, un automate de régulation, une GTB, un SCADA en local. À ce niveau-là, du coup, au niveau du produit, comme je le disais, c'est le même produit qu'on soit en offre hub ou en offre box. Donc, on va toujours avoir ce côté multi-interface, multi-protocole, que ce soit en filaire ou en radio. Le côté simultanéité aux également des communications. Les caractéristiques principales de ce hub vont être assez similaires par rapport à la box. Ça va être la facilité et la rapidité d'installation. On va le voir juste après avec la démo. Le côté toujours pareil, télémétrie, dans le sens où on fait de la collecte de données, mais on est aussi capable de faire de la consigne et d'envoyer des commandes sur les équipements de régulation sur le terrain, derrière, dans les autres protocoles. Donc vous utilisez en fait cette passerelle, je fais une parenthèse, vous utilisez cette passerelle pour permettre aux outils type SCADA ou GTB d'aller piloter les équipements dans un autre protocole. Donc vous ne vous souciez plus des protocoles, on est focalisé universel sur le BACnet IP.
Notre parenthèse, c'est qu'au mois de mars, il y aura le Modbus TCP également sur le hub. Il y aura pas que le Backnet IP, il y aura le Modbus TCP qui sera là pour les gens qui sont plutôt friands du Modbus TCP sur leurs applications. Du coup, ça va permettre ce côté convertisseur intelligent multiprotocole vers le Backnet IP et en mars, le Modbus TCP. La fonction passerelle LoRaWAN Backnet IP qui va également être possible et qui va être rendue possible grâce à ce qu'on appelle le LNS, donc c'est le LoRa Network Server. Donc en fait, c'est un serveur LoRaWAN qui est embarqué physiquement sur le hub et qui va permettre du coup d'assurer cette fonctionnalité de venir appairer les équipements LoRaWAN sur la box, sur le serveur LoRaWAN, et derrière de pouvoir en faire la conversion sur le protocole filaire IP Backnet IP. Demain, il y aura également la possibilité de faire du edge computing, c'est-à-dire de venir embarquer en local des petits bouts de programme, s'il y a besoin d'avoir des petits bouts de programme en local. Voilà, s'il y en a certains qui en ont besoin, c'est disponible. Et il y a également la possibilité sur cette offre-là d'avoir une solution de passerelle de Hub WetSense à votre image, c'est-à-dire en marque blanche qui va être labellisable avec vos logos, avec vos couleurs. Donc c'est soumis à un certain volume, je dirais, d'achat et de business ensemble. Mais il y a également cette capacité, voilà, sachez-le, gardez-le dans un coin de votre tête, si vous avez besoin de valider des choses, de les labelliser à votre image pour verrouiller peut-être un peu des choses. Et ben, je dirais, vous avez la capacité de poser votre marque et de faire disparaître la marque WetSense. Au niveau de la compatibilité, ce qu'on a vu sur le box, c'est également dispo sur le hub, c'est-à-dire qu'on embarque tout ça, je dirais, en local sur le hub. Donc, c'est vrai pour les protocoles et les équipements et les références des différents fabricants que vous voyez en filaire, et c'est également vrai pour les fabricants de l'écosystème LoRaWAN, donc sans fil IoT. Et encore une fois, s'il y en a certains qui manquent dans le hub, on demande aux fabricants de les rajouter pour faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de développer une seule ligne de code pour aller décoder une trame ou un capteur ou un compteur, quoi. Le fabricant va le faire et au moins vous avez l'assurance que ça soit fait en ressources et que demain, à chaque fois que vous déployez, ça soit disponible. Et l'autre fonctionnalité, du coup, c'est cette fameuse fonctionnalité de passerelle plug and play qui va permettre, du coup, en entrant, de venir faire rentrer du filaire ou du sans fil LoRaWAN et de ressortir, du coup, les informations en Backnet IP ou en Modbus, comme je l'ai dit. Voilà, donc, je le redis parce que là, c'est un petit peu plus illustré. Et l'intérêt, c'est qu'on va avoir, je dirais, ce côté bidirectionnel, c'est-à-dire sur des équipements externes. Les équipements externes type GTB ou supervision ou automate de régulation vont pouvoir utiliser cette passerelle WetSense pour aller piloter des équipements sur le terrain. Soit via des downlinks si on fait du LoRaWAN pour ceux qui maîtrisent ça, soit via de la commande avec des registres en écriture qui permettent d'aller écrire dans des équipements de régulation et de pilotage qui le permettent. Donc on est vraiment sur une technologie no-code à ce niveau-là. Donc l'idée c'est d'être de plus en plus sur du plug and play, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent les passerelles LoRaWAN aujourd'hui disponibles sur le terrain, soit parce que vous les avez achetées chez nous, parce qu'on en vend, on en vend toujours d'ailleurs, hein, mais pour certaines, il y a besoin de maîtriser ce qu'on appelle soit du Node-RED, donc c'est du JavaScript, soit pour certaines du Python, soit des instructions à l'UA, donc c'est des choses c'est des technologies qui sont quand même plutôt orientées développeurs informatiques, informaticiens, avec de l'ingénierie qui est assez avancée, donc c'est assez lourd à déployer, mettre en œuvre et surtout à maintenir. Donc là on est vraiment sur une technologie no-code qui se différencie vraiment des autres techno et passerelles de ce type-là, pour du traitement encore une fois de données, pour assurer de l'interopérabilité également sur un écosystème radio et filaire. Et une solution, vu qu'elle est plug and play, qui est facile d'utilisation. Et comme le disait Romain tout à l'heure, vu que vous allez devoir connecter de plus en plus de bâtiments et d'industries, l'intérêt, c'est de gagner du temps avec du plug and play et du no code pour pouvoir déployer beaucoup plus de projets que ce que vous le fiez historiquement, de manière traditionnelle. Donc voilà pour l'offre. Box et Hub. Le petit résumé, il est celui-ci. Donc vous l'avez sous les yeux, il est assez synthétique. L'idée, c'est d'identifier qu'est-ce qui permet d'avoir certaines fonctionnalités avec l'offre Box ou avec l'offre Hub. Je vais les détailler. Donc la gestion multisite, vous ne l'aurez qu'avec la Box, notamment grâce à la console cloud. La connexion à Internet au web, vous l'avez aujourd'hui avec la Box, mais c'est en train d'évoluer sur la version Hub, c'est-à-dire qu'on pourra aussi, et on le peut déjà aussi aujourd'hui, utiliser une connectique RJ45 pour sortir via la Box du client pour accéder à un service sur Internet. Et demain, parce que c'est déjà commandé, c'est déjà en commande visiblement chez certains clients, chez le fabricant, c'est d'utiliser le modem 4G qui est aussi disponible sur la version Hub pour connecter le Hub à Internet si besoin, donc pour faire une application en fait passerelle
plus communication à distance en simultané, en parallèle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore tout de suite disponible, mais c'est dans les starting blocks. Ça fait partie des urgences de la roadmap pour livrer certains clients. Le forfait data GSM, il est dispo que sur la box parce qu'il y a un abonnement qui est lié au service cloud et qui inclut, comme je le disais, cette carte SIM multi-opérateur et ce forfait data. Les mises à jour logicielles automatiques, elles seront possibles uniquement grâce à la passerelle, à la plateforme Cloud WetSense. Avec le hub, forcément, ça sera du local. Donc, il faudra gérer ça en local avec le PC et les mises à jour PC à ce niveau-là, en local. Le service cloud, forcément, il n'y a que la box. Communication à un serveur avec du SSL ou du MQTT. Alors, avec le SSL, il n'y a que la box. Le MQTT, on peut faire aujourd'hui du MQTT avec le hub. Donc, là, il faudra qu'on rajoute une petite coche noire. L'API REST, forcément, l'API REST, on est plutôt sur du service cloud, des fonctionnalités, des applications cloud to cloud. Donc, on est plutôt sur la box que le hub. Le hub ne permet pas d'offrir ça. Une tarification à l'abonnement. Donc, ça, c'est le modèle économique de la box. C'est-à-dire qu'on achète une box, one shot, et on a en fait un abonnement annuel au service cloud pour toutes les fonctionnalités et que je vous ai présentées, tous les services que je vous ai présentés. La fonctionnalité passerelle locale qui est aussi disponible, c'est important sur la version box, c'est-à-dire qu'on peut faire du box avec le service cloud fabricant WetSense et on peut aussi assurer une fonctionnalité de conversion de protocole BACnet ou Modbus en local. Et sur la partie hub, une application desktop, c'est-à-dire qu'on a un logiciel Windows qui permet de s'interfacer à l'équipement. Donc, vu qu'on ne fait pas du distant, on fait plutôt du local à ce niveau-là. Fonctionnalité de passerelle locale, forcément, c'est un des premiers avantages de cette solution-là, Hub. Et là, on est plutôt en termes de modèle économique sur un achat tout en un. Donc, c'est-à-dire qu'on achète une fois pour toutes le Hub, la passerelle qu'on appelle le Hub, et il n'y a plus de redevances, il n'y a plus de coûts récurrents à ce niveau-là. C'est du one-shot. Donc, voilà pour la présentation théorique. Maintenant, on va passer sur la petite démonstration qu'on vous a concoctée et qui va vous permettre de visualiser l'interface du hub. Donc là, la première présentation que je vais vous faire, je suis connecté à un hub qui est juste à côté de moi. C'est pas la box qui est ici, c'en est un deuxième qui est à côté de moi. Donc, je suis connecté en filaire avec mon PC. J'ai lancé mon application desktop, donc mon application Windows. Et l'idée, ça va être de voir la simplicité d'utilisation, d'appairage de produits, de connectivité avec les produits et de conversion dans un autre protocole. Donc, l'idée, c'est que j'en ai une. Pardon. Juste une petite parenthèse sur ça, en fait. Donc, évidemment, la box étant une passerelle opérée, toute la connexion se fait sur notre console qui est online. Le hub étant par défaut une passerelle qui est locale, nous avons pris la décision de ne pas passer par une plateforme en ligne, mais plutôt de vous proposer un lien pour télécharger la console sur votre portable. Donc une fois cet applicatif téléchargé sur votre portable, vous pouvez configurer tout localement sans avoir besoin de passer par Internet. Merci pour la précision, c'est vrai que c'est important. Donc du coup, on va se connecter à une des deux hubs qui est connectée, donc celle-ci qui est disponible, qui a un statut en ligne. On va se connecter dessus. On va avoir une interface qui est la suivante. On va avoir différents onglets de gestion de fichiers, de configuration de l'applicatif pour faire des mises à jour, exporter des configs de hub, les réimporter dans d'autres, ce genre de choses. Et l'idée, ça va être de vous montrer du coup comment ajouter un produit et comment le convertir en BACnet dans sa fonction principale, originelle, sur le hub. Donc, c'est ni plus ni moins que l'onglet « Ajouter un équipement », « Assistant de configuration ». À ce niveau-là, on a deux possibilités. Soit on ajoute les équipements manuellement, soit on a besoin d'être connecté avec un réseau BACnet. Et donc, on va avoir un scanner BACnet qui va être embarqué sur l'applicatif WetSense et sur le hub. Donc, on va pouvoir lancer un scan pour visualiser tous ces esclaves BACnet et récupérer tous les objets BACnet qui sont liés. Donc, nous, on va plutôt faire un équipement ici en local. En l'occurrence, certains le connaissent peut-être et le reconnaissent peut-être. On va ajouter en fait un équipement qui est un capteur LoRaWAN radio et qui s'appelle Adonis Comfort. Donc comme je le disais, pour visualiser l'ensemble de cette bibliothèque de décodeurs et de tables d'échange qui est disponible en ressources, vous avez ici toute la liste et donc en fait vous n'avez plus qu'à faire entre guillemets votre marché, c'est-à-dire vous venez visualiser et sélectionner le produit que vous voulez interfacer. Donc moi je remonte, je suis sur l'Adonis Comfort. La solution va reconnaître que forcément, avec ce produit-là, on est forcément en LoRaWAN. Derrière, il va me demander
des clés d'identification qui sont propres à mon capteur pour pouvoir appairer ce capteur sur le serveur LoRaWAN embarqué. Donc à ce niveau-là, j'ai des clés d'activation qui sont disponibles ici. Donc c'est ce qu'on appelle les DevUI, AppUI, AppKey. Donc on va faire hop, du copier-coller sur cet ajout-là. On est plutôt dans un mode OTA qui me demande et qui me requiert une AppKey. Une fois qu'on a mis, du coup, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en fait, c'est un peu les identifiants du produit qu'on est en train d'appairer à la web WebSense. Une fois qu'on a mis ces identifiants, cette carte d'identité du produit qui est individuelle en LoRaWAN à chaque produit, on fait suivant. Donc, on continue l'étape 2 d'ajout. On dit qu'on est plutôt dans un mode local, qu'on est plutôt dans une fréquence LoRaWAN européenne, le 868 MHz. Et quand on fait suivant, ça y est, on a le produit Adonis Confort qui vient d'être décodé par le hub WebSense et qui va vous permettre de sélectionner les paramètres qui sont dans le ventre du produit, donc qui sont dans le cœur du produit en termes de mesure et d'information. Et du coup, bah, vous avez ici sous les yeux tout ce que le produit est capable de vous donner comme information, d'instrumentation, de comptage, ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour la démo, on va remonter, vu que c'est une sonde d'ambiance, on va remonter la température, l'humidité, le niveau de signal, le SNR. Allez, hop. Et on va mettre ça, un troisième paramètre. On fait sauvegarder. Ici, il me valide tout. Soit on peut ajouter un autre produit, soit on revient sur la partie configuration. On vient sauvegarder ça dans le hub. On peut faire une notion de versionning en écrivant un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et là, en fait, on vient injecter, je dirais, la configuration directement en filaire dans le produit. Ça y est, mon produit est ajouté. Mon capteur Adonis est paramétré, est appairé à mon hub. J'ai mes différents paramètres ici qui sont visualisés. C'est les 5 que j'ai choisis. Et si je veux, je peux revenir dessus et en choisir en rajouter ou en supprimer certains. Donc ça, c'est pour l'appairage du produit LoRaWAN. Je vais en faire un deuxième filaire que je n'ai pas forcément là sur le terrain, mais juste pour vous montrer un peu la puissance du truc. Donc on va être sur un compteur qui est plus connu sous le nom de Sharky, du fabricant DIL. Donc un compteur Sharky qui va utiliser plutôt un protocole Modbus série. On va lui mettre un ID au niveau de cet esclave qui est l'ID 1. On va venir configurer, lui dire quel est le port physique sur le hub, sur la passerelle hub. On vient forcément paramétrer cette identification de vitesse de communication, bit de parité, bit de stop. J'avance. Je fais suivant. Et là, ça y est, j'ai toute la table d'échange Modbus RS485 qu'un compteur DIL Sharky peut vous proposer et a dans le ventre. Donc derrière, pareil, encore une fois, vous faites votre marché, vous récupérez vos index d'énergie. Vous récupérez vos températures entrantes, vous récupérez vos températures retour. Et voilà, vous faites sauvegarder, vous avez vos trois paramètres Sharky que vous liez à les lire dans votre GTB ou dans votre supervision, qui sont connectés du coup à l'application, au hub, physiquement connecté au hub, le Sharky, et là ça y est, c'est ajouté dans le produit. Et save, on envoie ça dans le hub. Hop, il me l'a validé et du coup on passe à l'étape numéro 2 qui est la dernière lorsqu'on veut faire de la conversion de protocole multiprotocole entrant vers du backnet IP en sortant. On vient sur l'onglet gateway ici, on ajoute notre gateway, on lui donne un nom, une description, on est dans le protocole backnet IP, donc au mois de mars on aura le Modbus TCP qui viendra se rajouter pour ceux qui sont friands du Modbus TCP. On lui dit sur quel port Ethernet physique on a cette communication backnet IP, on a des paramètres avancés au niveau du backnet, il n'y a pas forcément grand chose à changer à ce niveau-là. On fait sauvegarder, et une fois qu'on a sauvegardé cette configuration de la communication backnet IP au niveau de la gateway vous propose tous les produits qu'on a ajoutés, donc les 5 paramètres du capteur LoRaWAN Adonis, donc on va en prendre quelques-uns. Et les trois paramètres que j'ai choisis sur le compteur DIL Sharky. Et ceux qui sont cochés ici, c'est ceux qui vont être automatiquement routés et convertis en backnet IP, en objet backnet IP.
Donc, on fait sauvegarder. On a les 5 paramètres qu'on a choisis. On sauvegarde ça et on envoie ça directement dans le ventre du hub en local. Et derrière, ça y est, il y a ma passerelle hub qui écoute en LoRaWAN, qui écoute en mode bus RS485 et qui convertit ça en MACnet IP. Pour vous montrer à quel point c'est fonctionnel et simple d'utilisation, je vais lancer pour ceux qui connaissent un utilitaire, un explorateur MACnet qui s'appelle les YEB. Donc l'idée, c'est qu'on n'est plus dans l'univers, dans l'écosystème Watsons. L'idée, c'est d'aller au bout du bout de la logique de cette présentation-là et c'est de vous montrer qu'avec un logiciel tierce, un explorateur MACnet tierce, le YEB en l'occurrence, on a la possibilité d'aller lire les objets MACnet qu'on vient de convertir avec le hub. Donc avec, à ce niveau-là, je vais ajouter une nouvelle instance, MACnet IP, sur mon port et sur mon adresse IP qui est celle-ci. Je fais ajouter et ça y est, j'ai mon device Watsons avec l'instance qui était celle qui était écrite dans la configuration 47136. D'ailleurs, quand je clique dessus, bah, j'ai le nom Gateway MACnet Watsons et j'ai mes différents objets que je suis allé cocher auparavant. Quand je clique dessus, je les défile et je vais en visualiser certains. Je dirais, alors là, le LoRaWAN n'a pas encore fini de renvoyer ses données à la passerelle. Mais si on attend, parce que mon capteur Adonis est configuré pour envoyer les données toutes les 10 minutes, si j'attends, si on attend 5 minutes de plus, on pourra revenir dessus. On va avoir les informations à ce niveau-là qui vont être disponibles. Donc, on va avoir les données. Donc, voici pour cette présentation Hub. C'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Pas de ligne de code pour décoder des trams, pas de table d'échange à venir importer, ce genre de choses. Tout est disponible nativement en ressources. Donc voilà, pour cette présentation qui est liée au hub. Dernière chose, liée à des propriétés qui sont liées à nos objets, on peut visualiser les données. Bah, ça y est, visiblement, on commence à avoir des données qui remontent. Au niveau du capteur, on va attendre encore un petit peu pour voir les températures et l'humidité. Et on a la possibilité, on a un petit peu de mémoire et ça permet notamment de tracer quelques lignes de courbe si on veut. Donc là, on n'a pas de données, donc forcément, ça ne va pas marcher, Olivier. Mais on a la capacité en local de tracer une petite ligne de courbe pour vérifier que les données sont bien réelles, de les historiser le temps de l'intégration en local. Donc voici pour la configuration et la démo technique du hub. C'est assez simple, c'est assez light. Et c'est assez puissant parce que c'est assez rapide à déployer. Donc pour déployer beaucoup d'objets, ça va être assez puissant. Je vais passer maintenant sur la console, forcément. Hop, j'espère que ça n'a pas été. J'espère que vous voyez tous ma console, parce que du coup j'ai dû faire une petite manip. Donc là, on est sur l'accès à la console Watsons. N'hésitez pas, parce que j'entends dans l'oreillette qu'il commence à y avoir des gens qui posent, à mon avis, des questions. N'hésitez pas au fur et à mesure à aller poser votre question dans l'onglet questions. Et du coup, dès qu'on a terminé bientôt, dans moins de 5 minutes, je pense, on va passer à la partie questions-réponses. Donc là, je vais me connecter à l'applicatif le Cloud Watsons, donc à la console. Donc il y a une version de démo qui est disponible. On vous donnera les identifiants juste après. Qui va vous permettre, comme on le disait, de visualiser votre parc, de géolocaliser vos box. Donc là, on en a... Je suis un peu trop dézoomé. Excusez-moi. Hop. Normalement, ça devrait revenir. Désolé. Donc à droite, on a la liste de nos box. Ici, on peut les visualiser du coup sur le terrain. On peut les avoir en mode liste ou en mode map. Le mode map est assez confortable. On clique sur l'une d'entre elles et on rentre en fait dans la configuration du produit. On rentre quasiment, si vous voulez, dans le produit. Donc là, on est sur la console à distance, sur la console cloud. On voit que cet équipement-là, il a déjà tout un tas d'équipements qui sont déjà connectés. Donc c'est principalement là, pour le coup, des capteurs Adonis. On voit aussi qu'il y a du mode bus avec du compteur Sharky, une pompe à chaleur à AirMec. Il y a différents paramètres qui ont été choisis. L'intérêt, c'est que du coup, bah, on peut en choisir des supplémentaires. Donc du coup, à distance, on peut aller dire à la box Watsons, bah, va me rajouter la puissance active sur cette pompe à chaleur-là, parce qu'on a envie de la monitorer. On ne voulait pas le faire hier, mais aujourd'hui, on veut le faire. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire ça à distance, administrer tout ça à distance. Et on va pouvoir déployer, comme je l'ai fait en local, on va pouvoir ajouter ces équipements
Comme je l'ai fait en local avec le hub, avec mon capteur Adonis, on va pouvoir le faire à distance. Donc, on va pouvoir faire évoluer l'application parce que le client a besoin de rajouter des capteurs LoRaWAN, qui vous demande de rajouter des capteurs LoRaWAN ou d'interconnecter des nouveaux équipements filaires. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire ce déploiement sans se déplacer à distance. Donc, je reviens sur la partie configuration. Donc, voici pour ça. On a la fonctionnalité, si on veut, de BACnet, comme pour le hub, si on veut convertir ça en local. Donc, si on veut faire du cloud plus du local en BACnet IP. Et après, sur cette interface-là, vu qu'on est sur du cloud et qu'on a une historisation qui est beaucoup plus importante avec une rétention de données et un archivage dans des bases de données individuelles pour vos applications, on a forcément un petit outil graphique qui va vous permettre de visualiser différentes informations pour venir faire soit de la comparaison de valeurs de température, une température extérieure avec une température intérieure, ou deux températures intérieures entre elles. Voilà, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir visualiser des données du passé pour faire de l'analyse ou d'autres choses, ou permettre, si vous donnez un accès à client, que votre client visualise ce type de données-là. Voilà les données du passé sur l'ensemble du mois de septembre, une corrélation entre les températures à deux endroits différents dans les étages. Là, dans un hôtel avec restaurant, au niveau d'un restaurant, on va changer la couleur histoire que ce soit plus visuel. Voilà, on est en rouge et c'est un petit peu plus visuel. On peut exporter ces données-là pour les envoyer aux clients ou faire ce qu'on veut. Donc, on va avoir forcément cette fonctionnalité-là qui va être en plus au niveau de la box. Et sinon, voilà, vous avez les mêmes fonctionnalités que vous soyez en hub ou en box. Donc voici pour ça. On a fait le tour à peu près de la démo. L'idée, c'est que du coup, cette console WebSense, on peut y accéder avec ces identifiants-là. Et l'idée, c'est qu'on a terminé sur cette présentation et cette démo-là. Et du coup, on a 4 minutes de retard, donc on est plutôt dans les temps. Donc l'idée maintenant, c'est de se focaliser sur les questions-réponses. Si vous en avez pour certains, n'hésitez pas. C'est le moment. Je vais désactiver mon partage d'écran. Et voilà. Donc on est à votre disposition, Romain et moi-même, pour répondre à toutes vos questions, si certaines personnes ont encore, je dirais, le temps de rester avec nous pour poser certaines questions. Donc, on va essayer de dépiler, parce qu'il y en a sans doute quelques-unes déjà. N'hésitez pas à continuer à en rajouter certaines. Donc, pour information, donc, il y a déjà des questions qui ont été posées sur lesquelles Romain a répondu. Pour que tout le monde comprenne les questions et les réponses, parce que vous ne devez pas tous les voir. Est-il possible avec le hub de renvoyer les données en API ou MQTT? Donc voilà, comme on disait sur le résumé, on est plutôt en MQTT sur la version hub. Est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre de composants connectés et nombre de variables checkées? Donc oui, il y a une limite. Donc là, c'est un modèle économique qui est lié justement à des licences qu'on vient injecter dans la box ou dans le hub. Donc, en fonction de vos applications, l'intérêt en fait de ça, pourquoi il y a un modèle économique qui est différent en fonction de la taille de votre projet, c'est que du coup, vous venez en fait acheter une solution qui est uniquement fitée et adaptée avec vos projets, sans gérer sur coût, sans surdimensionnement du produit, en sachant qu'il y a une évolutivité, c'est-à-dire que vous pouvez faire évoluer votre licence, qu'elle soit en hub ou qu'elle soit en box, parce que demain, le client va vous demander de rajouter une multitude de points supplémentaires. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vu que c'est uniquement du software. Vous allez avoir la capacité de faire évoluer, je dirais, cette application-là, sans forcément changer le produit hardware. Donc, c'est ça aussi, d'un point de vue confortable, qui est intéressant. Quelles sont les possibilités de sauvegarde des configurations du hub? Donc, les configurations sont sauvegardées au niveau de l'application, ce qu'on appelle la DA, donc la desktop application. Et vous pouvez aussi, au niveau de la desktop, de pouvoir les exporter, donc d'avoir une bibliothèque de configuration que vous pouvez exporter pour les stocker sur un stockage tierce, sur un serveur tierce, si vous le voulez, en local. La sauvegarde est-elle un fichier? Donc, oui, du coup, je viens d'y répondre. Est-il possible de connecter un LNS tiers en HTTP ou MQTT au web? Donc, Romain, du coup, a répondu sur cette partie-là, plutôt en MQTT. Du coup, donc le LNS tiers, c'est plutôt des applications cloud, généralement, ou c'est plutôt des services sur Internet tierces, type cloud, type TTN, TTI, ShareStack, Actility, qui vont vous offrir un LNS. Donc, du coup, si vous préférez utiliser les LNS de ces hébergeurs-là, je dirais, il n'y a pas de souci pour le faire.
Proposez-vous une formation? C'est intéressant, parce que du coup, c'est pas forcément une question moi, pour laquelle j'avais la réponse. Proposez-vous une formation pour ces produits box web? Romain a répondu que oui, du coup, le fabricant pouvait proposer des formations, un accompagnement pour la partie configuration et installation. À ce niveau-là, on va également RGDZ vous accompagner là-dessus. Faut pas hésiter si ça vous permet d'avancer, je dirais sereinement, faut pas hésiter à le faire. Quelle démarche si le capteur n'est pas référencé? Demander un ajout au catalogue, une lecture manuelle des trames est-elle possible? La réponse de Romain à ce niveau-là, si tout le monde ne la voit pas, parce que je suis pas sûr que tout le monde voit les réponses dans l'onglet questions. Si le capteur n'est pas référencé, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on en fait la demande au fabricant. Le fabricant l'ajoute du coup en ressources et du coup, sous couvert qu'on a déjà fait cette application-là et cette demande-là au fabricant pour des applications clientes chez RG2I, c'est à peu près 15 jours. Alors forcément, en fonction de la charge de travail du fabricant et de sa roadmap, c'est à peu près 15 jours pour ajouter un nouveau produit filaire avec une table d'échange type Modbus, Mbus ou autre. Et c'est entre 2 et 4 semaines, voici ce qu'annonce, je dirais, Watsons à ce niveau-là, pour ajouter un produit plutôt LoRaWAN en fonction de sa complexité, en termes de décodage. Donc l'intérêt, c'est de demander au fabricant de le faire, histoire que vous n'ayez pas besoin de le faire à chaque fois que vous déployez cette solution-là. Une lecture manuelle des trames est-elle possible? Donc uniquement sur des objets backnet avec un scan backnet. Le produit a-t-il un niveau de certification Achille vis-à-vis de la cybersécurité? Donc visiblement, il y a des audits qui sont en cours chez Watsons. Donc cette certification Achille, que personnellement que je ne connais pas, non, n'est pas disponible sur la solution. Donc à mon avis, on est plutôt sur des applications industrielles, sur ce type d'application et de certification-là, je pense. Beaucoup de clients ne veulent pas de cloud. Est-ce possible de tout avoir en local sur site? Oui, du coup, c'est possible. Comme on l'a vu avec la box ou avec le principalement avec le hub, sur le positionnement c'est plutôt avec le hub où on va avoir la capacité de tout avoir en local. Exit le cloud, exit le service Watsons. Du coup vous gérez tout en local parce qu'on a effectivement des industriels qui veulent pas forcément sortir et qui n'ont pas forcément vocation d'ailleurs à sortir sur Internet puisqu'ils n'ont qu'une seule usine. Si tout est en local, les outils de supervision, les ERP, les automates de régulation et de process. C'est vrai que vous avez raison, il n'y a pas forcément de pertinence à sortir sur Internet, sur un cloud tierce. Donc c'est pour ça que positionner la solution hub pour faire du full local à ce niveau-là. Pour le MQTT, est-ce que vous avez une doc? Donc oui, il y a une documentation technique qui est avancée au niveau des API et aussi au niveau du MQTT sur le site du fabricant. On vous mettra le lien dans le chat pour que tout le monde puisse le voir. Dans ce cas, j'ai pas compris la question sur le General User Interface. Peut-être essayer d'être un peu plus explicite à ce niveau-là, monsieur Allard. Une autre question, comment ça se passe pour reconfigurer nos capteurs sans fil? Pardon, Romain, tu voulais intervenir? Pour le G8, c'était juste à propos du mode de connexion. Si le hub ou la box renvoie les données en local, dans ce cas, c'est au client de gérer le back-end. S'il n'y a pas OK. d'API, ce n'est pas fait par API. Les données sont converties en backnet et donc très bientôt, comme disait Olivier, en mode bus. Et donc, dans ce cas, c'est à vous de gérer le back-end pour avoir la visualisation des données. OK, merci Romain. Comment ça se passe pour reconfigurer nos capteurs sans fil? Par exemple, changer la fréquence d'émission du capteur. Donc ça, c'est une question concrète d'un point de vue opérationnel quand on déploie de l'IoT, donc des objets connectés type LoRaWAN. En fonction des fabricants, vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous avez des fabricants comme Adonis chez nous, comme Ursalink, Milesight, qu'on appelle maintenant, comme eWatch, qui ont des outils soit avec des applications NFC, donc sans contact, sans fil, et ou sinon avec du micro USB, donc vous allez pouvoir reconfigurer vos capteurs. Donc la première configuration, c'est assez confortable parce que du coup, vous allez pouvoir faire ça directement en local avec les applications des fabricants, soit avec des applications desktop Windows, soit avec des applications Android, pour ceux que j'ai cités, notamment eWatch et Adonis. Après, si vous avez besoin de reconfigurer ça, pour les autres fabricants, pardon, qui n'ont pas d'application Windows ou Android,
On a ce qu'on appelle les downlinks. Donc, c'est la seule manière avec ces fabricants-là de reparamétrer, je dirais, un capteur pour changer notamment sa fréquence d'émission capteur vers récepteur, en l'occurrence le hub, le serveur LoRaWAN dans le hub. Donc ça, c'est une manière de les configurer grâce au hub, parce qu'en fait, dans le hub, on a ce fameux downlink, ce message encodé de downlink qui est disponible et qui va permettre au hub de renvoyer le downlink directement au capteur. Et du coup, si vous avez déjà fait un déploiement à grande échelle ou moyenne échelle, peu importe, et vous avez besoin de reconfigurer les périodes d'émission a posteriori, et ben du coup, soit la console, si vous êtes sur un modèle box, soit le hub va vous permettre, et ben du coup, de renvoyer vos configurations avec des messages downlink à l'ensemble de vos objets, pour éviter justement de se reconnecter capteur par capteur pour reconfigurer les fréquences d'émission. Est-ce que la box est open? C'est-à-dire, peut-on ajouter des features custom via SDK ou autre? Donc, on va pouvoir notamment gérer donc sur la partie, ce que j'ai appelé dans la présentation Edge Computing, on va pouvoir gérer de l'applicatif. On va plutôt être sur un applicatif avec un langage Python qui va vous permettre justement de gérer vos applications custom, vos applications métiers et personnalisées. Donc, c'est plutôt avec ce langage-là où vous allez pouvoir embarquer du Edge Computing. Quelle est la portée LoRaWAN de la box? Donc ça, je dirais, comme a répondu Romain, c'est forcément lié un petit peu à la passerelle box, mais c'est aussi lié à plein de paramètres externes et extérieurs que sont le premier, un des plus importants qu'il ne faut pas négliger, c'est l'antenne. Est-ce qu'on conserve cette petite antenne physique LoRa qui a un gain, une sensibilité qui n'est pas forcément la meilleure, ou est-ce qu'on met une antenne à gain avec du câble faible perte qui va me permettre de sortir d'un lieu technique comme un TGBT où on peut avoir des perturbations électromagnétiques avec des transfos, qui va me permettre également de me rapprocher de mes objets, qui va me permettre de sortir à l'extérieur d'un bâtiment pour pouvoir couvrir une zone beaucoup plus importante. Donc ça, c'est rendu possible grâce à des accessoires qu'on vend comme du câble faible perte de 50 cm jusqu'à 20 mètres de câble et des antennes à gain LoRaWAN. Et après, il y a une autre chose qui est un petit peu plus difficile à maîtriser, c'est l'environnement. Combien de murs on a à traverser, combien de dalles béton et d'étages on a à traverser, quel est l'environnement, est-ce qu'il est très ouvert, est-ce qu'il est très fermé. Donc c'est assez aléatoire à ce niveau-là. On a assez d'expérience aujourd'hui, depuis 6 ans qu'on déploie du LoRa et de l'IoT chez RG2i. Donc, on est à votre disposition, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec tous les clients, pour analyser au cas par cas, je dirais, chacune de vos applications. Donc, souvent, un bout de schéma à main levée ou un Maps ou un Google Earth pour comprendre l'environnement, comprendre où sont les points de mesure et d'instrumentation, où vous êtes positionné au niveau de la GTB et la box, et comprendre un peu les distances et savoir s'il faut plutôt une box ou plutôt deux box, ou s'il faut une box avec une très très grosse antenne, ou si malgré la très grosse antenne ça suffira pas, il faudra plutôt déployer deux box. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce qu'on a pas mal de retours d'expérience à vous partager à ce niveau-là. L'interface existe-t-elle en français? Oui, d'ailleurs c'est de ma faute parce que dans la démo j'aurais dû vous le montrer. Elle était paramétrée de base en anglais sur ma démo, mais il y a un onglet langue en haut à droite qui permet de switcher de anglais à français. Donc c'est aussi simple que ça, c'est dispo dans les deux langues, il n'y a pas de souci pour les clients qui privilégient plutôt la langue française. Le nombre maximum de variables sur le hub. Donc à ce niveau-là, il y a différents, comme je le disais, modèles économiques. Donc le maximum, c'est qu'on peut interconnecter jusqu'à 500 capteurs LoRaWAN sur un hub ou sur une box. Et on a jusqu'à 10 000 points, 10 000 variables filaires. Donc 10 000 objets botnet, 10 000 registres Modbus, RTU ou TCP ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est le max qu'on peut faire. Et après, il y a des colonnes. Et c'est dégressif en termes de prix et de nombre de points que vous voulez remonter. Donc, c'est évidemment simultané, c'est-à-dire que les 500 capteurs LoRa peuvent être connectés en simultané des 10 000 points, 10 000 variables, 10 000 propriétés en filaire pour les équipements. Tout à fait. Donc, c'est assez puissant pour notamment du gros bâtiment. Et c'est adapté au type de bâtiment, parce qu'il y a des offres qui sont plutôt orientées petit bâtiment avec beaucoup moins de points filaires, de points physiques. Quand on envoie une nouvelle configuration avec un nouveau capteur, y a-t-il un arrêt du hub le temps du rechargement? Non, le hub, il ne s'arrête pas. D'ailleurs, il est resté connecté. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a une petite LED
sur l'applicatif qui a différents états, différentes couleurs qui sont soit noires, soit rouges, soit verts. Et tout le temps de la démo, lorsque j'ai fait la configuration et lorsque j'ai ajouté ce nouveau produit LoRaWAN et le compteur Sharky filaire, la LED était toujours verte, donc on était vraiment en lien en direct. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas besoin de relancer le produit ou de le redémarrer électriquement parlant, quoi, ou physiquement parlant avec la connectique. Donc pas de souci à ce niveau-là. C'est assez souple. Est-il possible d'avoir le lien pour le replay? Bien sûr, cette session est enregistrée. Il y aura un replay qui vous sera envoyé pour tous les inscrits. Vous pourrez, si vous voulez partager, on partagera également sur les réseaux sociaux. Et on aura également la possibilité, si vous êtes intéressé, de partager la présentation PowerPoint. Bonjour, quel est le prix ou gamme de prix pour les deux solutions? Merci d'avance. Donc cela se dépend du nombre de points. Donc l'idée, c'est plutôt de rentrer en contact ensemble à ce niveau-là. Sur la diffusion de prix, c'est pas tant que ce soit très très secret, c'est plus qu'il y a, il existe plusieurs variantes et solutions, donc il n'y a pas moins de 10 prix différents, donc voilà, il faut plutôt s'adapter plutôt que de balancer des prix. On va plutôt s'adapter à votre application. Si vous avez vraiment une application réelle, l'idée c'est qu'on va plutôt essayer de voir ce qu'il en est et quel est le forfait le plus adapté et le modèle économique le plus adapté. L'idée c'est quand même de comprendre besoin plutôt que de proposer un produit qui n'est peut-être pas adapté. C'est vrai qu'après, ça dépend de la configuration, ça va dépendre des équipements que vous voulez connecter également. Donc, rapprochez-vous d'Olivier. Pour avoir une idée, hein, le hub, il est autour, la box, elle est autour de 50 euros hors taxe. Et puis après, donc, il y a un abonnement qui va dépendre du nombre de propriétés qui sont sélectionnées. Quant au hub, les tarifs démarrent à 1000 euros pour le hub de base, et puis après ça va monter selon le nombre de propriétés encore à sélectionner. C'est pas secret, c'est juste qu'on préfère en fait connaître votre besoin pour proposer le produit le plus adapté et être sûr ben, justement que vos coûts d'exploitation soient réduits. Il y a pas mal d'autres questions aussi dans le chat. Il y a énormément de questions, donc c'est assez intéressant parce que du coup. Vous avez l'air assez intéressé. Il y a autant des questions sur le chat que dans l'onglet questions. On va répondre à toutes. Il y a notamment des questions sur le chat qu'on répondra après l'onglet questions qui étaient liées à la démonstration. Donc, restez un petit peu parce que forcément, on va répondre à toutes ces questions-là. Deux questions. Comment ça se passe dans le cas d'une coupure d'alimentation électrique? Y a-t-il une batterie de secours intégrée? Non, il n'y a pas de batterie de secours qui sont intégrées. Le box et le hub s'alimentent en courant continu sur une plage de 12 à 24 volts continue. La deuxième question, comment ça se passe dans le cas de coupure de communication 3G, 4G? Les données collectées sont stockées dans une mémoire embarquée et retransmises une fois la communication rétablie. Donc, il y a une mémoire tampon, effectivement, qui est disponible en cas de perte de réseau et qui fait qu'une fois que vous... Une fois qu'on retrouve la communication en réseau, notamment 4G, ou ça peut être de l'IP, parce qu'on peut aussi sortir via la box du client, et ben du coup, on renvoie, je dirais, les paquets de données à ce niveau-là. Nous pouvons mettre des scripts Python sur la box, si j'ai bien compris. Donc oui, c'est ça. On peut embarquer des scripts Python pour embarquer de l'applicatif custom, donc ce que j'appelais Edge Computing, des applications d'action, d'événements cycliques ou événementiels, de l'asservissement. Voilà, vous pouvez embarquer tout ce que vous voulez. Y a-t-il un serveur Node-RED disponible ou installable sur le hub? Donc non, il n'y en a pas. C'est pas forcément le but de cette solution-là. Cette solution-là est plutôt d'être sur une solution, je dirais, plug and play, autant que possible, sauf pour ceux qui veulent, je dirais, faire des applicatifs custom. On est plutôt sur un langage qui est le Python aujourd'hui, plus que le Node-RED. Node-RED étant un peu plus basé sur du JavaScript. Les noms des blocs, bah, ça tombe bien parce que c'est la même question que sur le chat, c'est de ma faute sur la démo. Donc les noms des blocs BACnet en sortie n'étaient pas explicites, ne prend pas en compte du point. Donc c'était notamment sur l'explorateur BACnet où je me suis rendu compte de ça quand je vous ai fait la démo. C'était notamment lié au fait que j'ai routé des points qui n'étaient pas forcément connectés, notamment liés au compteur Sharky. Si j'avais pris, vu que j'ai pas de compteur Sharky, il n'y a pas de communication réelle,
Il n'y a pas d'interprétation possible en fait avec ces points-là sur l'explorateur IEB. Typiquement, si j'avais pris que le LoRaWAN et l'Adonis, pour l'avoir déjà fait notamment hier lorsque je me réentraînais avant ce webinaire-là, ça fonctionnait très bien, c'est-à-dire qu'on voyait les noms des registres et des objets BACnet, on les voyait dans le logiciel IEB. Donc quand on cliquait sur l'objet numéro 3, on avait le nom, température ou humidité qui s'affichait bien, donc c'était bien explicite. Donc c'est de ma faute en fait sur la démo à cause de l'ajout du Sharky. Peut-on faire de la redondance de hub? Alors il faut être, je pense, un peu plus explicite sur la question. Je l'interprète de la manière suivante, c'est est-ce qu'un hub peut communiquer avec un autre hub, je pense. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on a déjà posé des questions sur le sujet. Aujourd'hui, non. Pas forcément la réponse en tête. Les hubs ne communiquent pas entre eux, ni les box d'ailleurs. Les données peuvent remonter sur une même et unique plateforme. Et après, donc, c'est sur le DA ou sur la console de configuration que l'on peut gérer la partie administrative. Donc, on peut créer un administrateur avec une organisation. Et puis après, on peut diviser ça en sub-organisations. Les hubs et les box ne communiquent pas entre eux. Il n'y a pas de maillage possible. Alors la question c'était une rectification de la part de la personne qui a posé la question. Le hub, c'est si le hub tombe en panne en fait, parce qu'il y a une redondance de hub. Ça voudrait dire mettre deux hubs en local avec la même configuration. Il y en a un en connexion primaire et s'il tombe en panne, c'est le deuxième qui prend le relais. Jamais fait déployer ce genre d'application là. Il n'y a jamais eu besoin pour l'instant de le faire. Parce que le hub, on n'a pas forcément de retour de clients qui nous ont dit que le hub tombait en panne. En tout cas, d'un point de vue software, c'est pas possible en l'état. Accessoires d'intégration au coffret ELEC, type adaptateur RAID-IN ou autre. Donc le produit s'intègre directement en fait sur un RAID-IN. Donc vous avez là le dos d'une box ou d'un hub à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de souci, il peut s'intégrer dans une armoire et sur un RAID-IN, je dirais classique. Tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que toute l'information de LED est en face avant. Et puis vous avez les connectiques en bas et en haut pour les interfaces réseau, filaire, IP. Donc, est effectué par du 12-24 volts DC. C'est ce qui est en général de l'armoire électrique. On recommande quand même d'installer ça par un électricien s'il faut installer un armoire électrique, ce qui permet d'installer un petit disjoncteur. On peut tout vous fournir si vous voulez, à la fois le coffret, le disjoncteur, l'alimentation, mais ça reste tout ce qui est le plus classique, en tout cas, dans le métier du bâtiment. Je reviens sur le prix pour une box ou un hub en standalone. Quelle est la gamme de prix, donc sans abonnement? Alors, la box ne peut pas forcément se dissocier avec l'abonnement cloud. Donc ça, c'est important de le repréciser si ce n'est pas clair. C'est que quand on prend une box, on a forcément l'abonnement qui va avec. Donc il n'y a pas de solution standalone qui est possible avec la solution box. Et c'est pour ça qu'il y a un modèle économique qui est différent, qui est le hub, qui lui est une solution qui est en termes de fonctionnalité, on va dire locale, stricto sensu la même que la box, en termes d'interface, de capacité de remonter des données, de conversion, d'applicatifs embarqués, et qui elle se suffit à elle-même, donc qui est vraiment standalone. Lorsque vous l'achetez, vous n'avez pas de redevance et d'abonnement à souscrire à ce niveau-là. Quelle est la date de déploiement de l'interface Modbus TCP? Voilà, on est plutôt sur du mois de mars à ce niveau-là. Pour revenir sur le prix, justement, oui, il est possible de faire évoluer les capacités du hub. L'idée, c'est quand même donc de comprendre votre besoin, comme on disait tout à l'heure, de définir un peu vos nombres de propriétés, vos nombres de points que vous devez connecter. Mais si d'aventure vous devez connecter d'autres points, un hub médium, et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il ne vous faut pas 200, 300 points, mais il vous en faut 500 ou 1000, il est tout à fait possible de revenir vers nous en disant voilà, en fait, j'ai pris un médium, j'aimerais bien un hub qui soit plus gros. Le produit est similaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de produit. Le hardware reste identique et le software peut se modifier facilement. On peut évoluer, en tout cas, la configuration très simplement. Donc oui, on peut monter en gamme, on va dire, en nombre de points connectés. On a fini sur toutes les questions de l'onglet questions. Il doit en rester quelques-unes sur l'onglet chat.
Vous êtes encore nombreux à être présents. On a pas mal dépassé, mais du coup, vous devez être intéressés. Donc, merci pour l'intérêt que vous portez à nos solutions et le temps que vous accordez aussi, que vous nous accordez ce matin. Il y avait dans le chat une autre question qui était liée à la création de la table BACnet, notamment comment sont créés les points, les objets BACnet, est-ce qu'ils sont créés au fur et à mesure qu'on les rajoute, c'est notamment, comme je comprends la question, c'est si a posteriori on rajoute des nouveaux points, est-ce qu'ils sont rajoutés au fur et à mesure? Notamment, j'imagine, j'anticipe un peu une question, c'est pour éviter de changer les premiers objets BACnet, en fait, c'est-à-dire si j'ai connecté et converti 10 registres LoRaWAN ou autre protocole Schiller en BACnet typé, donc ils ont certains objets. Si derrière j'en viens rajouter 10 de plus, donc j'en ai 20 au total, est-ce qu'ils se mettent à la queue leu-leu ou est-ce qu'ils viennent s'imbriquer au milieu des autres et forcément changer les numéros d'objets? J'ai pas forcément la réponse ce matin, je suis désolé, je sais pas si Romain, toi tu l'as. Est-ce qu'ils viennent s'incrémenter à la queue leu-leu de manière dynamique pour éviter de changer les numéros des premiers registres qu'on aura configurés au préalable en fait? C'est quand on fait un scan, quand on fait un discovery, je pense que c'est établi par. C'est plutôt sur la création, donc c'est plutôt sur la partie conversion de protocole. Je lis peu importe le protocole en entrant, je le convertis en sortie en mode bus TCP ou en BACnet IP, donc en BACnet IP sur l'exemple. Et la question, c'est sur la création de cette fameuse table d'échange BACnet. Lorsque j'écoute dans un protocole A et que je le convertis dans le protocole B qui est le BACnet IP, est-ce que les points se rajoutent en fait au fur et à mesure? Donc oui, ils se rajoutent au fur et à mesure de manière dynamique, comme je l'ai fait dans la démo. Après, moi, la seule question que je laisse en suspens et sur laquelle on reviendra vers vous, c'est sur l'attribution en fait des objets, des numéros des objets BACnet. C'est-à-dire que, comme je donne mon exemple, si j'en ajoute 10 aujourd'hui, ils auront 10 numéros d'objets bien figés qui seront du coup requêtables par votre supervision ou votre GTB en local. Si demain on en rajoute 10 de plus, donc on en a 20 au total, est-ce que la supervision lit toujours les 10 premiers parce que les 10 objets n'ont pas changé et est-ce que les 10 suivants qu'on a rajoutés se sont mis à la queue leu-leu en fait? Donc ça, c'est une réponse que j'apporterai à tout le monde lorsqu'on vous enverra la présentation PowerPoint. C'est une question qui est restée un peu en suspens. Désolé de ne pas pouvoir y répondre en live. Du coup, on apportera cette réponse s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par cette réponse-là. Les autres questions ont été posées sur l'onglet questions, donc on y a répondu. Celle-ci aussi. Je dois vous quitter, j'ai une autre conf très intéressante, l'interfaçage avec les logiciels de suivi énergétique. Il n'y a pas de souci, on peut s'interfacer avec tout type de logiciel énergétique en MQTT ou via une API REST. À ce niveau-là, pas de problème. Voilà, certaines personnes partent, donc à bientôt, messieurs, dames. Il y avait une autre question sur la partie KNX. Comment fonctionne l'intégration d'équipements KNX? Est-ce que ça se fait via l'import ETS? Donc c'est pareil, je suis désolé, je ne sais pas si Romain, toi, tu as la réponse au KNX. On n'en fait pas forcément beaucoup du KNX. Mais c'est vrai que vous avez raison de poser la question, parce que le produit est fonctionnel et est compatible avec un port KNX et avec des équipements KNX. Type Siemens en SYNCHRO qui utilise de mémoire du KNX. Donc la question est assez pertinente. Donc je ne sais pas si toi, Romain, tu sais y répondre sur l'intégration KNX, mais Non, sinon. là-dedans. Encore une fois, on reviendra vers vous avec la réponse. Ouais. Désolé, ça fait deux questions. Et on revient sur l'onglet questions. Il y a l'air d'avoir eu des nouvelles questions. Celle-ci, on y a répondu. Où est-ce que sont les nouvelles? Je ne suis pas certain d'avoir compris la réelle différence entre le hub et la box. Pourriez-vous faire un petit récap, s'il vous plaît? Donc, c'est assez important, du coup, de comprendre cette différence-là. Même produit au niveau hardware, entre la box et le hub. C'est juste au niveau des fonctionnalités et la finalité. Quelle est l'application finale du client ou de vous-même? Est-ce que la finalité, c'est de ne pas aller pousser des données sur Internet, uniquement de les retranscrire, de les convertir en local et de les mettre à disposition en local, donc en multiprotocole en entrant et en protocole universel et unique en sortant, donc en BACnet IP ou en mode bus TCP. Et du coup, on a un SCADA, on a une supervision ou une GTB en local qui vient écouter ça.
auquel cas c'est plutôt le hub. Donc on n'a pas besoin d'aller sur Internet. On prend le hub, on achète le hub, on le déploie en local et puis c'est tout et c'est fini. Et derrière, bah, l'application continue de vivre. Et si vous avez besoin de pousser des données, je dirais à distance, sur Internet, si vous avez besoin d'intégrer facilement un applicatif avec une API REST, avec le cloud du fabricant Watsense, si vous avez besoin de gérer un parc de produits qui sont éparpillés dans la nature, en France ou à l'étranger, si vous avez besoin de les géolocaliser, si vous avez besoin de les administrer à distance pour pouvoir voir ce qui se passe, visualiser des graphiques, pouvoir faire de l'ajout de produits à distance sans prendre votre voiture et le PC sous le bras pour venir physiquement connecter votre PC pour reconfigurer le produit en local. Donc, de faire tout ça à distance, ça, c'est plutôt la box avec le service Watsense qui est fourni avec l'abonnement, en fait. Donc, voilà pour la... J'espère que c'est un peu plus clair. N'hésitez pas à nous ressolliciter, à nous rappeler, à nous envoyer des mails si ça ne l'est toujours pas. On reprendra le temps avec chacun d'entre vous de reposer un petit peu les différences là. Vincent, lorsqu'on parle des variables BACnet de mise à disposition, peut-on modifier les noms des variables, le numéro d'instance ? Je vais le faire, je n'ai plus forcément le partage d'écran. Si je suis sur ma... On peut modifier la description, vous mettez le nom que vous voulez, et puis on a aussi la possibilité d'avoir un slug qui permet donc de mettre le nom que vous avez besoin, et lors de l'intégration dans votre plateforme, le nom que vous avez choisi apparaît. Donc, ça facilite l'intégration. Je vais faire juste ça, parce que j'ai que ça à partager. Tu peux faire sur la console ou sur la DR? Ouais, je vais juste faire sur la console. Bon, c'est pas grave, on va faire l'écran entier. Hop. Donc, vous devez voir ma console. Tu valides, Romain? Donc là, je suis sur la partie Gateway BACnet. Donc, j'ai mes fameux points qui sont en entrant, qui en termes de labellisation, de libellé et de nom, sont ceux qui sont connus, je dirais, dans les tables d'échange des équipements type Sharky ou mon LoRaWAN à Nice. Et ici, on a la possibilité, ce que disait Romain, donc c'était pour vous le montrer, de changer le nom, de changer le type d'objet BACnet, de changer l'instance. Voilà, vous avez la possibilité de personnaliser, je dirais, à ce niveau-là. Le slug également, vous avez la possibilité de tout personnaliser, le nom de l'objet BACnet également. Donc voilà, tout est personnalisable à ce niveau-là pour l'ensemble des objets BACnet qu'on vient de convertir avec le hub. Donc pas de problème pour ça, c'est possible. Vite, 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 désactiver le partage. Hop. Donc ça c'est bon, c'est très clair pour la différence entre le box et la hub. Bonne nouvelle, c'est qu'on a été clair. Est-il prévu une nouvelle démo pour l'intégration du mode bus TCP Gateway? C'est une bonne question. Si vous êtes intéressé par ça, on peut imaginer une nouvelle session qui permettra soit ceux qui étaient absents, soit pour les gens qui veulent un rafraîchissement. Et du coup, pour montrer les nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau de la Gateway Modbus TCP, on pourrait imaginer faire un webinaire avec ça. Ça serait pertinent pour des applications, notamment industrielles, qui ont besoin plus de ce protocole Modbus TCP que le BACnet IP. L'idée, ce sera de vous montrer comment ça marche, bien volontiers. Avec plaisir. Lors de la lecture d'informations en mode bus, si le registre ne donne pas la bonne valeur, par exemple 2460 pour 24.1, comment est effectuée la mise à l'échelle, automatique ou manuelle? C'est les deux. Par défaut, déjà, les données vont être collectées. Et si ensuite on veut changer d'échelle, si on veut mettre un ratio, par exemple, si on a une impulsion électrique toutes les 5 secondes et que chaque impulsion c'est 5 kW, on peut mettre une petite formule, c'est directement, encore une fois, dans la console. Dans la desktop app, une petite formule qu'on peut rajouter très simplement, que ça donne la valeur avec un tout petit calcul. Je ne sais pas si tu as encore partagé ton écran, Olivier. Ouais, je peux, parce que c'est rapide. Il y a une petite scaling qui permet donc de modifier automatiquement la donnée. Hop. Donc, on revient sur les équipements. On va dans la partie propriété. On va retrouver toute la liste de propriétés qu'a l'équipement dans le ventre, c'est-à-dire le deal Sharky.
Donc, ça permet de rajouter des points supplémentaires. Là, je vais filtrer pour vérifier ce qu'on a coché tous les trois pour les convertir en backnet. Pardon. Et ici, à ce niveau-là, forcément, j'ai pas de char qui est connecté, donc j'ai pas de valeur. Ici, il y a la possibilité de renseigner une unité. Vous avez la possibilité de rentrer des unités pour avoir forcément directement des valeurs en kilowattheure, en mètre cube, en watts par mètre carré, en mètre cube par minute, ou ce que vous voulez, en kVAR, en kVA, ou ce genre de choses. Et après, si on veut une mise à l'échelle avec de la valeur, on va aller plutôt dans la Denise, je pense. Hop, ici. Donc ici, on a des valeurs. Et ici, on va avoir la possibilité d'avoir cette notion de scaling. Donc, je vais le filtrer comme ça pour tous les voir. Et du coup, on va pouvoir faire sa formule AX plus B. AX plus B pour faire sa mise à l'échelle, du coup. Donc, pour répondre à la question, si l'équipement renvoie 2460 et qu'il devrait renvoyer 24,6 degrés ou 24,6% pour une humidité. Et bah, voici comment vous le faites en entrant en lecture la mise à l'échelle. Partage l'écran. Voilà pour ça. Ça c'est bon. Ah oui, encore une question. En cas de hub, on doit être sur site pour le configurer. Mais c'est possible uniquement avec le client lourd Windows, oui, avec l'application desktop Windows. Ou c'est possible avec le web, avec la web interface. Donc Aujourd'hui, avec l'application Windows, quand vous faites télécharger sur votre portable, on ne vous cache pas qu'on réfléchit quand même à une solution un peu plus légère, sûrement au second semestre 2021, où on devrait offrir la possibilité de configurer le hub à distance, pourvu que le hub soit connecté à un réseau Ethernet et que votre portable soit connecté au même réseau Ethernet, soit par VPN, soit par un réseau similaire. Mais oui, ça devrait être possible dans les 6 mois à venir. Donc aujourd'hui, du coup, uniquement l'application desktop. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application desktop, vous pouvez l'installer sur plusieurs PC différents. Hein. Tous les techniciens, automaticiens, électriciens qui ont besoin de déployer et de configurer dans le hub. Donc il n'y a pas de souci et de limite par rapport à ça. Donc aujourd'hui, uniquement avec l'application desktop, ce que vous avez appelé client lourd, et demain avec un web serveur, donc connecté en IP avec un navigateur, une adresse IP, un login mot de passe, et vous rentrerez dans le produit pour visualiser les données. Il y a du soleil aujourd'hui. Si on a deux ou plus sons de capteurs, compteurs d'une même référence, par exemple Sharky, pour reprendre l'exemple utilisé, comment sont différenciés les capteurs? Déjà, on va pouvoir les différencier dans les noms qu'on va leur attribuer. Je vais repartager mon écran. Alors, j'aimerais bien partager que l'application. Ça m'éviterait de faire ça à chaque fois. Bizarrement, il ne la voit pas. Non, tant pis. Ouais, c'est pas grave. Donc ici, quand vous faites vos ajouts, vous avez les propriétés de l'équipement que vous êtes en train d'ajouter et de configurer. Ici, vous avez trois petits points. Vous avez un onglet Settings et l'onglet Settings va vous permettre de relabelliser les équipements de même marque, de même référence pour pouvoir les identifier. Adonis Confort rez-de-chaussée, Adonis Confort étage 1, étage 2, étage 3, étage 4, compteur thermique, sous-station 1, sous-station 2, chaufferie principale, et ainsi de suite. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous aurez la possibilité de le faire pour bien sûr identifier qui est qui et ce que vous êtes en train de faire, et surtout éviter de vous y perdre quand vous faites des ajouts au fur et à mesure, quoi. Voilà pour ça. Comment sont récupérées les informations KNX LTE sur des produits Syncho Siemens? Donc Romain a répondu, les Syncho sont connectés directement par la box, le hub, au moyen de notre console. Voici une liste de Syncho déjà dans notre base de données. Donc il y a un onglet sur le site
Il y a un onglet KNX, on peut faire un filtre de compatibilité sur les protocoles, notamment sur le KNX, et vous allez avoir la recherche sur les différents CMN Synco à ce niveau-là. On a l'interface physique qui permet de le faire, du coup, qui permet de gérer ce fameux KNX LTE physiquement sur le produit. Et après, bah, c'est uniquement de la bibliothèque d'objets où on va retrouver notamment les équipements Synco, pardon. Encore une fois, quand c'est indiqué compatible, ça veut bien dire que c'est déjà décodé, parce que techniquement, tous les équipements sont compatibles avec la solution, que ce soit du Modbus, du LoRa. Ce qu'on indique par compatible, ça veut dire que c'est déjà décodé. Donc, si l'équipement est en sous-développement ou n'est pas encore dans la base de données, n'hésitez pas à nous le faire part et on pourra le rajouter pour vous gratuitement. Tout à fait. Je vais copier-coller. Ce qu'on pourra faire, c'est peut-être envoyer un petit email récapitulatif avec une présentation et avec les liens sur les principaux... Ouais. Le lien est dans la présentation d'ailleurs, mais... Avec les tests de compatibilité et évidemment le login du compte démo qui est utilisé sur les autres Elibis. Ouais. C'est que la lecture, pas l'écriture, mais ça vous permettra de voir un petit peu avec ça, de simuler l'ajout d'équipement et de voir un peu ce qui est déjà décodé. Peut-on télécharger le logiciel Windows? Généralement, dès qu'un hub est commandé, on envoie une licence et un lien qui permet donc de télécharger ce logiciel. Voilà pour ça. Et qu'est-ce qui nous reste? Eh ben, c'est tout. On est arrivé au bout de toutes les questions. Il y avait énormément de questions. C'est intéressant parce que du moins, tout le monde qui est resté, il y avait encore au début des questions, il y avait encore plus de 50 personnes qui étaient connectées. Donc, tout le monde a pu en profiter. Donc, merci pour vos questions. Ça nous a permis de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de répondre à des questions assez concrètes et pertinentes techniquement et que tout le monde puisse avoir les réponses. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, c'est terminé pour nous. La configuration avec un Mac. Le desktop app est disponible sous Windows et sous iOS. Voilà, merci. Je pense merci à tous. Je pense qu'on a terminé. On va rester encore 2-3 petites minutes s'il y a des questions qui viennent de dernière minute. Merci pour votre temps. Parce que finalement, on y a passé 1h30. Donc merci pour le temps que vous nous avez accordé. On est à votre disposition, Romain et moi-même, et de manière générale, votre agence RG2I, et pour les gens qui viennent d'Orecom, les personnes de chez Orecom également, pour aller un petit peu plus loin dans la découverte de la solution, pour la chiffrer, pour ceux qui ont des projets concrets, pour que vous puissiez identifier un petit peu par rapport à un projet bien particulier, quel est le positionnement de cette solution-là. Si vous avez besoin de revoir ça, vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir le PowerPoint avec les liens. Les accès démo, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions qui vous viennent a posteriori ou si quand vous en parlez avec vos collègues, ils vous posent des questions auxquelles on n'a pas vu, on n'a pas forcément répondu. Alors, on est vraiment à votre disposition à ce niveau-là pour répondre à tout ça et à faire d'autres démos s'il y a besoin de faire d'autres démos plus tard. Il y a une dernière question. Les compteurs en protocole MBUS existent-ils dans la bibliothèque? Donc oui, il y en a qui existent dans la bibliothèque. Je les ai pas forcément ici. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, oui. Ouais, il faudrait regarder avec le lien que j'ai envoyé sur le chat, la compatibilité. Il y a du MBUS, et pour rien vous cacher, un des prochains protocoles qu'on va rajouter va vraisemblablement être du wireless. MBUS. Ok, intéressant. Intéressant. Donc, pour le wireless MBUS, c'est un protocole qui existait bien avant les réseaux LP1, donc les réseaux IoT type LoRaWAN et Sigfox. Donc, c'est un réseau radio qui était plutôt local, privé, avec des émetteurs et un récepteur wireless MBUS.
L'intérêt, du coup, c'est qu'il y a un panel et un parc d'équipements de bâtiments déjà connectés en wireless MBUS et que ça permettrait de centraliser tout ça, encore une fois, sur une interface unique, universelle et plug and play, qui est la solution Watsense. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que sur du rétrofit, sur des équipements existants sur lesquels il y a déjà des applications de connectivité et de mesures radio comme du wireless MBUS, et bien typiquement demain, visiblement, ça sera possible aussi de les interconnecter. Donc c'est intéressant de connecter les équipements du passé, mais aussi ceux qui vont arriver demain, ceux du futur. Voilà, donc c'est vraiment une solution universelle à ce niveau-là. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci Romain, toi pour ta présence, du coup ta disponibilité. Et puis à bientôt. On est à disposition encore une fois par mail ou téléphone si vous avez d'autres questions ou besoins. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.